petite tier list des viseurs. Remember it. Du coup, les amis, c'est parti. 1.5. Bah c'est bon du coup. Vous avez voté quoi? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en A? Mais non, mais c'est S tier. C'est le meilleur viseur du monde à l'heure actuelle, quoi. Ça s'adapte à tout et tout. C'est trop bien. Il y a un petit point. Tu peux mettre un petit pixel. C'est la version plus d'un holographique d'avant, quoi. Qui est-ce qui a mis A, quoi? Les gens qui avaient mis A et en dessous, arrêtez de jouer à Rainbow Six tout de suite. Hein. Vous avez aucune connaissance de Rainbow Six. Oui, je sais, j'y vais un peu fort, ok? Mais néanmoins, je pense que vous devriez arrêter de jouer à Rainbow Six. Et sans tomber dans l'extrême, je pense que vous devriez prendre votre PC ou votre console, le jeter par la fenêtre et vous lancer dans une autre activité de type curling ou couture. Hein. Ce viseur, c'est la perfection absolue. Suivant, quel tiers pour le 1.5? Hein, celui-là, là. Ok? Non, fucking hell! Ça, c'est 2.0. Ça, c'est 1.5. 2.0, ça. Ouais, je suis d'accord, là, pour le moment. On est d'accord que ceux qui ont mis B, ouais, je peux comprendre. Mais bon, ça reste quand même un truc qui est vachement joué, quoi. C'est la définition du viseur mid. Pas le meilleur zoom, pas le pire. Ouais, bah ouais, mais bon. Ouais, ouais. Après, ouais. Mais bon, ce serait A ou B, quoi. Je suis d'accord avec le B aussi, ouais. Mais bon, A, ça me paraît pas déconnant, quoi. Je valide. La coque russe. De mémoire, ça, c'est la coque russe. Hein. Ouais, c'est ça. La coque russe. Moi, j'ai envie de le mettre en C ou en D, hein. Mais je sais pas, en fait. Vous avez mis quoi? Vous avez mis C? Ouais, ok. C'est parti, ça part sur C. Ouais, ça me va. Moi, j'aurais dit C ou D, hein, mais je le mets pas en B. Hein. Ok, pour le moment, tout va bien. En cours, la COG, le fameux. Il a dû perdre quelques classements, quand même, en quelques années. C'est parti. Là, je suis sûr qu'on va pas être d'accord. Ok, si on met celui-là en A, moi, c'est toujours dans une logique de comparaison. Il peut plus être en S par rapport à la méta et tout machin. Si on met celui-là en A, je pense que le zoom est trop puissant, tu vois. Ok. Mais il est mieux que celui-là. Qui lui est une espèce de pelle à tarte dégueulasse. On sait même pas ce que c'est, quoi. Le truc, c'est un périscope, ça. Donc moi, je penserais absolument logique de le mettre en B, en fait. Ouais, non, je sais pas, on n'a pas la même logique, visiblement. Ouais, il y en a quelques-uns. Ah, vous foutez de ma gueule ou quoi? Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous avez fait bugger le truc, là. A et B, B et A, c'est quoi, ça? Non, je décide, je tranche entre B et A. Vas-y, mais jamais il va au niveau de lui, mais ça n'a aucune logique de le mettre en A. Il faut orienter les gens pour leur dire que c'est pas vraiment la méta. Il faut aussi penser à ça. Quitte à limite à noircir un peu le trait, au final. Il faut leur dire, la COG, ça se joue pas trop, quoi. Et ça va leur faire perdre des duels. Refais entre A et B un sondage. Non, je tranche. Je suis l'arbitre. Je suis Dieu. Donc, je le mets là, moi. Petite question. Le vote n'est comptabilisé qu'une fois. Si je vote deux fois, les deux votes sont comptabilisés. À ton avis, t'es allé voter pour les élections présidentielles ou quoi? Est-ce que tu pouvais mettre deux bulletins dans l'urne? Ok? Si tu pouvais, c'est chelou. Ok, c'est parti. Celui-là. Holographique. L'holographique de base. Ouais, là, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Du coup, si on en croit les votes, vous le mettez en S. Mais en S, peut-il y avoir plusieurs trucs, tu vois? J'ai envie de dire, en fait, dans la logique des choses, si le 1.5 est en S, alors l'holographique, dans la logique des choses, logique purement mathématique, devrait être en A, au final. Pourquoi? Parce que le 1.5 en S, c'est le truc suprême parfait à l'heure actuelle, qui se trouve un peu à mi-chemin entre les deux. C'est un peu, si on regarde bien, ça plus ça égale ça au final. C'est un peu le mix des deux, ce truc-là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est si bien. Et donc, je l'aurais plutôt mis en A que en S. Mais il est vrai qu'il est quand même très joué. Il est très souvent disponible. Le point au milieu, au moins, est vraiment, vraiment bien. Alors qu'il y a eu des fois où ils se sont complètement ratés. Mais il est vrai qu'aussi, c'est aussi le S des viseurs x1, je pense. On va le mettre en S par rapport à ce que vous avez dit. Mais moi, j'aurais tendance quand même, on le mettra dans les vidéos de toute façon, à le tirer un peu plus vers le bas, quoi. Pour vraiment mettre en avant encore plus le fait que le 1.5 soit vraiment un super viseur qui s'adapte à beaucoup de personnes. Le truc, c'est que quand on dit s'adapter à beaucoup de personnes, il faut se dire manette, clavier souris, donc console, PC et joueur gold. Et joueur diamant et joueur plate au final, tu vois. Il faut avoir ça en tête. Le 1.5 est largement au-dessus. Ouais, pour moi aussi, ouais. Mais bon, ok, S en tout cas. Ça me paraît logique. En même temps, il a bien mérité sa place au panthéon des trucs, quoi, tu vois. La question en ce moment, ça c'est joué en ce moment. Il y a des personnes qui le jouent, celui-là. Donc attention. Et quand je dis des personnes, ça veut dire des bons joueurs. Donc celui-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Celui-là, je crois que ça s'appelle Holo B dans le jeu. Voilà. Ça peut pas être S. Ah bah, ouais, ça peut difficilement être S quand même. Mais il y en a qui le préfèrent à celui-là. Hein.
Genre vraiment, hein. J'ai essayé, moi j'aime pas le point, je le trouve trop gros quoi. Pour moi, non, ça peut pas être S, non. Mais bon, après, voilà quoi. Ah, vous avez failli faire un ex-aequo, bande de bâtards. A ou B? Oh bah si lui, il est là, je pense sincèrement qu'il est quand même meilleur qu'un ACOG, hein, à l'heure actuelle. J'ai une aim de merde, alors est-ce que le viseur change fondamentalement ou pas? Vraie question. Bah si tu prends les viseurs qui sont au top là, et que t'as toujours un aim de merde, l'aim c'est que le... Tu vois ce que je veux dire? Le viseur c'est pas ce qui fait l'aim quoi. Ça aide, tu vois ce que je veux dire? Si t'as du mal à te traîner au football, tu vois, c'est pas parce que tu changes tes crampons que tu vas aller plus vite. Ou ce sera peut-être pas assez représentatif. Que je viens d'entendre. Oh ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, Félix? Tu t'appelles Félix, du calme. Tu peux pas le mettre dans la même case que la COG. Bah pff, ouais, moi j'ai envie de le mettre là en fait, quoi. Comme vous l'avez dit au final. Je suis assez d'accord pour le A au final. La COG supérieure à Hall. Non mais la COG c'est fini, ça a fait son temps. Ouais, c'était bien avant, franchement. En 62 FOV, quand ça bougeait pas, quoi. Maintenant que c'est... Franchement, c'est planète sauvage, hein, les games sur Arceus. Ok, attention à ça. Il est dégueulasse, ok? C'est-à-dire que je vois pas quelle est l'idée d'avoir une espèce de truc que tu voudrais même pas sur un tableau de bord d'un avion de combat, en fait. Mais ce truc est utilisé par des pros. Genre, tu le vois en EUL, quoi. Pas des masses, mais je l'ai déjà vu, en fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que en zoom, l'écran est plus grand, Je sais pas pourquoi. Tu donnes ton avis avant ça, fausse les votes, voyons. Ben non, mais c'est pour vous aider. J'aide la populace qui n'a pas forcément mes capacités intellectuelles et supérieures. Hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Eh, les meetings de campagne, c'est avant les votes, hein, souvent. Excuse-nous. Vous excusez pas, c'est bon. Je me suis adapté à votre niveau inférieur. On s'habitue avec le temps. Aïe, aïe, aïe. Alors, enfin, les pros jouent Warden aussi. Ouais, mais bon, ils le jouent pour avoir la 1.5, ça se trouve. Ok, bon, let's go en tout cas. Ah bon, je vais rien dire. Du coup, je dis rien parce qu'après, on va me dire t'influences les votes. Mais je suis obligé d'en parler pour pas que les gens sautent sur le truc en se disant... parce que là, les gens, ils vont faire un vote en mode moi, par rapport à moi, etc. Voilà, sans prendre le... Tu vois, la big picture. Ok, vous avez voté quoi? Vous avez voté C. Ah, franchement, moi, ça partait là. C'était juste pour vous faire chier, en fait. Je trouve que c'est dégueulasse. Là, je trouve que c'est le viseur le plus immonde de l'histoire de l'humanité, quoi. Mais bon. Ok, et je vois pas l'intérêt, en fait. Mais bon. En vrai, vu ce qui arrive, je comprends le C, mais il mérite un D. Mais grave, ça mérite un D. C'est vraiment ridicule, franchement. Mais bon, vous avez mis C, vas-y, je mets C. Hein. Mais je voulais voir si vous étiez influençable. Et vous êtes influençable. Toi, t'es influençable là-bas. Belle démocratie. Ah bah, j'écoute, hein. J'écoute la parole du peuple, hein. Bien sûr, hein. Ok, c'est parti. Point rouge. Ok. Du coup, vous avez mis quoi? Oh, vas-y, bah, allez vous faire foutre. C et D. Je sais pas, en fait. Je sais même pas sur quelle arme elle est. J'en ai aucune idée. Je pense que D, c'est mieux pour lui, hein. Alors, celui-là, attention. Attention. Non, je plaisante pas. Il est pas si mauvais que ça. Il est un peu sous Kotax. Celui-là, il va falloir que 3 youtubeurs le prennent et vous allez dire « Ah ouais, c'est trop bien. Franchement, moi, je prends celui-là. Depuis, je mets que des têtes. Hein. J'ai augmenté de 0,017 hein, sur mon cadet sur Rainbow Six Tab. » Il est rincé aussi. Non, il est pas si rincé que ça. C'est parti. Ça peut pas être un D, en tout cas. Franchement, moi, je le mets même pas en C. Il est forcément meilleur que cette pelle à tarte dégueulasse, quoi. Il est soit en B... Voire peut-être aussi bien que ça. Voire peut-être même mieux que lui. On le mettra pas en S, tu vois. Mais je pense que c'est un B ou un A. Ah oui, ça se joue entre B et A, quoi. Non, mais c'est... Mais tu vas pas le mettre avec ça, là. Mec, c'est un périscope avec, une jauge à essence. B. Y a personne qui l'a mis en A. Ok. Donc du coup, B pour ça. Ouais, non, mais ça me paraît pas mal. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Les joueurs PC, arrêtez de vous sucer. On est au-dessus, It's Friday. Les joueurs console te lavent. Ouais. Hey, tu sais ce qu'on va faire, mon loulou? Regarde ce qu'on va faire. On va faire un truc très simple. Regardez, écoutez. On va faire un sub goal de ouf. Vous savez quoi, on va faire un sub goal de ouf? Je viens de penser à un truc. Il va y avoir les salty duels qui vont arriver à la fin du mois, ok? 1v1, ok? Sur console PS4, PS5. Le dernier joueur, celui qui va gagner, je le prendrai clavier-souris et il jouera à la manette. Sur PC, bien sûr. Mais au moins, il aura 240 Hz, 240 FPS et ça va être tout, ça va faire bizarre pour lui. Ok, je le prendrai à la manette. Le meilleur joueur avec la manette et je le prendrai avec mon clavier-souris. Et on verra. Jamais, vous vous rendez pas compte, les amis. Vous vous rendez pas compte à quel point on va le laver, quoi. C'est comme se battre avec un enfant, c'est pas faire.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais pas le faire au début. Mais là, c'est parce que c'est la provocation, tu vois. Là, je vais avoir l'impression de me battre avec quelqu'un qui... Ah ouais, 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 qui fait 20 kilos de moins que moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, ça va être Mike Tyson contre Mimi Mati, hein. 10 secondes, ça va durer le match. Hein. Tu vas voir. Ouais, 100 kilos versus un bébé. Ah ouais, non, là, ça va. Franchement, je pense que même le mec qui va gagner les soldes avec la manette, je peux le prendre avec ça, je pense. Avec un touchpad. Elle joue avec le nez. Ah, on vous aime la console, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. Sans brouillon, pas de belle copie. Hein. Tu mettras pas ça sur YouTube, Jumper. Hein. Tu coupes au montage. Du coup, le prochain. Ça, c'est pas trop mal. En revanche, ils l'ont un peu flingué. Non, sérieusement. Quand il est sorti sur toutes les armes, il était vachement loin, en fait. Genre, vraiment. Et il était super petit et super précis. OK ? Et après, ils l'ont mis en première personne, là. Ils l'ont rapproché. Genre, comme si tu l'épaulais comme une jumelle, le truc. Donc, il est un peu moins bien, quand même. Ok, mais bon, je dis ça, je dis rien, c'est parti. Ouais, là, ça me paraît pas déconnant, ouais. Oh oui, là, on est d'accord, bah voilà. Ouais, ah, c'est pas mal. Ça aurait été B minimum, de toute façon, ça peut pas être S. Ah, ouais, c'est pas mal du tout, ça. Ok, et ensuite, alors là, celui-là, je sais pas. Genre, vraiment, je ne sais pas. C'est un peu le nouveau truc que je vois un peu partout, quoi. S, vous avez fumé de la beuh. Non, mais qui a fumé de la beuh? Mais non, là, c'est parfait, là. Là, on a un truc homogène, franchement. Non, mais sérieusement, sérieusement. Ok, c'est parti pour celui-là. Ce sera le dernier, du coup. Quel tiers pour ce viseur? Alright, B. Ah ouais? Ah, et tout le monde le joue, quoi? On était clairement plus à dire C. Quoi? Non, mais là, j'ai rien touché, là. Hein. Bon, en même temps, ça a du sens avec l'autre qui est en B. Hein. Il est meilleur que l'autre réflexe. Ça a du sens, hein. Il l'a l'air, en tout cas. Tu vois. L'autre, il est bien, mais peut jouer. Ouais, c'est un peu nouveau, ouais. Ok, donc B pour celui-là, du coup. Ok, bah, ça donne ça. Avec une magnifique pyramide, hein, voilà, qui nous fait voir. Donc, il y a un parfait équilibrage. Merci, merci Rainbow Six. Merci, Ubi. Et voilà, c'était la tier list des viseurs. N'hésite pas à lâcher un like, subscribe, voilà, le pouce bleu, le partage, etc. Autrement, le campus de la Salty Academy, si tu fais pas ça, eh ben, il va mourir.